Tour de course en Opale, à Carrefour Market. Voilà un petit peu ce que j'ai attrapé. Je fais quand même deux flashs parce que je suis à la cave chez ma mère, donc j'ai peur qu'il y ait un petit peu de lumière sombre. Je prends un ticket de caisse, j'arrive. Voici, enfin. Alors. Partout en fait. Alors c'est parti, mon kiki. Voilà. J'ai trouvé des crispas brioche chez pour 2,29€ et à moins 30%. Donc du coup je les ai pris. Mais là de la base, mais tu peux pas jouer très dodo. Voilà, donc on sort du cruvant. Alors, faut que je prenne autre que moi par contre, j'aurais pas cette place. Qu'est-ce que je suis mal dégourdi. Voilà, c'est les bâtons. J'ai pris un Carrefour Sensation à thé citron menthe, 1 litre. Je ne peux pas le plus près parce que j'ai les cafés qui me gênent. Voilà, un thé. Écoutez, là j'ai pris la cuisine d'Océane. Après, je vous le dirai après. Un plat au steak haché purée et menthol. Bonne, j'ai fait une autre acquise du champagne pour jus pomme cassis, des petites briques, et ça m'intéressait parce que j'ai passé 2,30€ et la bâche quoi c'était 4€, donc du coup pour quelle petite gourde ça vaut le coup à 2,30€. J'ai pris macaroni aux trois fromages. Ah, il y a du bleu, merde. Et ma tête pour bonjour bleu, bon c'est pas grave. Attends, c'est tout principe, il y a pas trop de. Ah là de Jésus. Alors, attendez, que je vous dis pas de bêtises. Donc la marque Entremont. AOP de fromage. Voilà. 2,2. Bon, c'est pas grave, je coûterai et puis c'est tout. Je vais pas chipoter. Hein. Écoutez. Bon, alors sur le lait. Du riz. À la mer méditerranéenne. Carrefour classique au micro-ondes. Voilà. J'ai pris du galac au spéculoos. Du galac au spéculoos. Je m'en trompe maintenant. Galac au chocolat blanc. Il y a ça au socrash. Du coup, je l'ai pris par deux. Galac au chocolat blanc classique. Basique. Une. Deux burgers végétales à 2,79€. Comme ça. Un cabas s'il te plaît. Une boîte aux appétits spaghetti bolognaise. Merci. Hop là. Hop là. J'ai pris purée de pommes de terre au beurre d'Isigny AOP, le reflet de France. J'ai pris des chips. Alors effectivement, à moins de 3€, il y a anti-gaspillage. Vous avez des beignets, un croissant, des mini beignets, un mini talent, quand j'ai dit ça, c'est des bons. Des petites miniardies, des mini beignets, un donut, pour de la fraise, un mini fond Nutella, un petit pain à croissant et du mini beignet. Bon, ça prend. Ensuite, j'ai pris un little up, ou fruits exotiques, 1 litre. Il y a 60 centimes pour l'achat de deux bouteilles de Vittel Up. Voilà. Parce que je continue à boire. Je suis à 2 cafés par jour, donc c'est bien parce que j'ai quand même pas mal descendu le café, j'ai ralenti. Donc du coup, je suis à deux bols. Ou soit je me fais un café au lait, mais vraiment du lait entier avec du café. Parce que je commence tout doucement à ralentir le café. Je pense que c'était plutôt une bonne chose. Donc du coup, bah évidemment, je bois plus. Et je bois plus, comme par exemple ça, du sirop avec de l'eau. Petit fruity Carrefour Sensation. Ainsi, un peu comme des bonbons à le car, je pense. Je savais pas qu'il faisait ça.
fromage. Gruyère IGP France, Entremont. Cantal AOP jeune râpé au lait de vache. Voilà. Comme ça, un petit paquet. Après, quand j'ai la flemme de faire manger, parce qu'en fait, si vous voulez, dans mon appartement, ça a deux pièces, c'était assez ancien. Et j'ai des packs de cuisson très très lentes. C'est à l'électricité. Et ça met du temps à faire cuire. Donc, du coup, je suis obligée de débarrasser ma table et installer mes plaques à induction pour faire cuire. C'est un système. Donc, du coup, je me fais plus tard dépannage. Oh, parce que j'en ai marre de faire à manger. Hop. J'ai pris Emmental de Savoie IGP au lait cru de vache au Reflet de France. Voilà. Bien de la vanille. J'ai pris cela parce que les carrefours, ils n'avaient pas spécialement marqué qu'on avait plus de lait. Alors j'ai dit, oh, on va mieux prendre la base. Ah non, c'était l'inverse. C'était là, il ne marque pas le pourcentage de lait. Donc c'était Carrefour qui m'était mauvais. Bon, bref, ah, t'en fous, Yvonne, reviens à ta source. À la vanille. Voilà. Et donc, je vais mettre les M&M's mixtes, chocolat, crispy, M&M's. Je vais prendre celui-là parce qu'il n'y avait pas beaucoup de choix au niveau des Smarties et c'était très très cher. Après, je mettrais bien autre chose et puis j'ai trouvé ça. Écoutez, il est à 1,50€, donc du coup, j'ai pris ça. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire ça? J'ai pris deux petits trucs, deux petits... présentoir, hein, barquette, ouais, c'est ça, de lardons de fumée, 90 grammes, Carrefour, ça j'en prends deux parce que ça c'est une tuerie, et c'est très très cher, c'est comme le thon, hein. Franchement, hier j'ai regardé un retour de course, je sais plus dans quoi, c'était 20 euros les 4 boîtes, j'ai halluciné, je pense que c'était à Carrefour, j'ai halluciné, tu te rends pas compte, ça va loin, on va loin, où va-t-on? J'ai pris deux croustilles chicken, ça a l'air trop trop bon. J'aime bien changer un petit peu. Donc du coup, j'ai pris ce. Écoutez, c'est quoi Manhattan Hot Dog? Pas mal, le crispy onion, sauce barbecue et mantel fondu, crusty chicken. Voilà. C'est tout simple et c'est l'arbre. Voilà. Ensuite, j'ai pris du Côte d'Or x3 au lait original. Voilà. J'ai pris un Starbucks au... caramel et smooth, c'est leur caramel en stick. Je vais vous le dire après. Le prix, il a su, et sinon, je pense que c'était 3 euros. C'est pour ça. En même temps, c'est Starbucks. Ah, je vous jure, un beurre. Alors, j'ai pas pris dans les grandes marques. Je sais que le beurre que je prends là, qui vient du le beurre de ferme que j'ai chez moi, et 6 euros pour un beurre, quoi. Faut pas déconner. Hein. Ah, il est bon, tout ce que tu veux. La qualité n'est là. Mais moi, je te jure, les prix, c'est exorbitant. Bon, du coup, je me suis pris ça, le beurre Barrette Doux, le Carrefour original. Oh, non, non, ça va bien mal. Hein. Bon, du coup, le Innocente jus, là, j'ai pris, comme ça. Pêche près de la passion orange, par petite briquette. Il y en a 4 dedans. 4. Des frites au four express frites par bus par deux, des un yaourt de ferme au spéculoos, il y avait bien des réductions, elle me l'a bien compté. Là-bas, ça coûté 80 centimes, c'est de ferme, c'est pas trop, ça va encore, c'est pas trop excessive. Et là, il y a passé à moins 30%. D'abord, je vais manger après parce que je vais manger mon dessert. Je vais mettre après. Je vais prendre un autre yogurt, là, là-bas. Caramel au beurre salé. Voilà. Crème dessert. Comme ça. La ferme de Touvent. Ça. Du Touvent. Ouais. Hier, j'ai goûté un fromage Emmental. Qui vient de chez Aldi au lait cru. Ils mettent des brisures d'animal et ça vient de l'estomac du veau. Donc du coup, je mange pas. Évidemment, comme je ne mange pas plus de veau, ça me fait chier quand même. Ça me fait chier. Donc du coup, bah, je le donne à ma mère. Je prépare également. Un petit parmesan.
Moins 3%, 1,89€ prix de base. Et ici, pour ça, 1,32€, 50 grammes. Ça me fait un gros. J'ai repris le Chitala, pas de tartine aux noisettes. Voilà, de la marque Notiolato. Oh, je l'ai arrivé. La fameuse pâte à tartiner quand on tourne avec Kinder Bueno, pour information. Aux noisettes, voilà. Celle que je sais que j'adore vraiment. J'ai repris de la confiture de lait au reflet de France. Ça, c'est super bon. J'ai repris un petit paquet de fricorées parce que je ne les ai plus en stock. Voilà. Non, je ne sais pas combien de tasses. 180 grammes, c'est une recharge. Bah ouais. Environ 45 mégas. Voilà, comme ça. J'ai pris des chips. Chips de pommes de terre assaisonnées au soja et à ciboulette. Voilà. Ça filme bien parce que j'avais fait un testage. Au début, j'avais présenté la vidéo. J'ai offert des gluants triple crunchy. Ça, c'était trop trop. Du coup, je vais leur donner une chance. Que j'avais bien aimé, mais j'étais un peu écœurée. Donc, allez, je vais retenter tout chaud. Ah. J'ai pris des Kinder Joy en déstockage alimentaire. 3,59€. Ils sont passés à moins 30. Donc, c'était 2,51€. Ça, c'est trop 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 bon. Bon. Et funk qui co funko. Ah d'accord, c'est moi, c'est funko dans le truc comme ça. Voilà, simplement comme ça. Et aussi Kinder Carrefour, Kinder Malice Carrefour à la coco. Du chocolat noir au caramel salé et lint. Mais il y avait d'autres trucs, hein, mais je vais pas voulu prendre. Mais je sais quand même, c'est quand même cher, donc du coup j'en ai pris qu'un. Du Vanadin Halal à moins 30%. Prix de base 0,49€, ils sont passés à moins 30%, 1,74€. J'ai soif, faut que je bois. Ouh, j'ai un dépôt. Des crêpes originales Carrefour. Oh là, des crêpes toutes simples. Un tropico original en 1 litre. Non, parce que faut voir. Les canettes, c'est encore plus cher en format comme ça, que là c'est beaucoup moins cher. Allez, comprendre. Voilà. Et après, il faut que je vous dise les prix. Sucre des cannes, Sarpli, bio, Sarpli, Carrefour pour les prix. Voilà, 1 kilo. Si je vous dis les prix, vous n'allez plus rien comprendre. Après, vous connaissez à peu près les prix, c'est toujours les mêmes. Franchement, trop la faible. J'ai chaud, je vais aller boire un coup et je suis très fatiguée. Là, j'attrape un coup de chaud. C'est pas très bien. Donc, je vous dis pas les prix parce que là, je suis au bout de ma vie. Je vais vous faire voir les prix, mais j'ai pas envie de vous les dire. Bon. Je fais bien. Faites une petite pause si ça vous intéresse. Voilà, ce retour de course est maintenant terminé. J'espère qu'il t'aura plu. Abonne-toi, partage, commente, donne le respect et les bonnes humeurs. Bienvenue à tous et à toutes. Moi, c'est Tiffany. Je fais plein de choses. Je fais un petit peu ma petite vie sur YouTube. Écoutez. Allez, bonne journée.